Aujourd'hui, nous sommes, c'est le week-end, et là, je suis dans une station. Pas n'importe quelle station, mais station Pétro-Ivoire. Souvent, avec les véhicules, il y a des soucis. Donc, dis le TikTok aujourd'hui, au sein de cette station, vous montrez un endroit pour vous qui avez des problèmes de véhicules, tout. On va aller visiter le coin ensemble. Au sein de toutes les stations Pétro-Ivoire, il y a un point, on appelle ça le point S. Le point S dans les stations Pétro-Ivoire, ça sert à quoi? Quand vous arrivez dans une station Pétro-Ivoire, chez point S, nous vous accueillons, nous accueillons votre véhicule pour tout type d'entretien lié au véhicule pneumatique, climatisation, électronique et même la visite technique. Voilà, il y a déjà un véhicule qui est déjà debout. Mais lui, il est suspendu, vous voyez, il est suspendu. Les maîtres sont là, ils sont en train de diagnostiquer, c'est ça, non? C'est comme ça qu'on appelle, non? Il y a l'autre qui a déjà la tablette là-bas, ils sont en train de ils voir. Ils ont fini le diagnostic, là, maintenant ils ont fait les travaux. Je pense bien que c'est la vidange de la boîte. Voilà, ils sont en train de faire la vidange de la boîte. Regardez les machines, hein. La visite que vous faites, ça commence comment? Ça se passe comment? Déjà, quand le client vient chez nous, après la réception du véhicule, on sait ce pourquoi le client est venu nous voir. Du coup, nous allons figer sur le problème tout en signalant au client toutes les autres pannes que nous allons détecter. Voilà, on lui dira que vous êtes venu pour la vidange, mais on a constaté que vos pneus sont usés. Maintenant, concernant la visite technique, quand la date de visite technique est arrivée, on lui fait un devis de visite technique avec les éléments qu'il faut, puis on passe à la visite technique pour le client. Excusez-moi, madame. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est votre véhicule? Bien sûr. Ah, d'accord. Mais et pourquoi vous venez réparer votre véhicule dans le point S? Oh, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire? Avant, j'allais dans les garages. Dans les garages. Mais il y a un ami qui m'a conseillé de venir à point S. En tout cas, il s'occupe très bien de ma voiture. Tu as ton véhicule. Tu as un problème. Viens à la station Pétro-Ivoire. Renseigne-toi. Le point S est où? Ils vont te mettre où? Toi, il faut voir. Pétro-Ivoire, faisant route ensemble.